Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment vérifier la compatibilité de votre voiture avec la norme OBD2 et E-OBD. En effet, suite à l'apparition des prises OBD sur les voitures, les marques ont alors créé leur propre protocole. Ce n'est qu'à partir de la norme Euro 3 en 2000 qu'a été mise en place la norme E-OBD, standardisant la prise OBD et les protocoles de communication pour tous les véhicules européens, en reprenant la norme OBD2, mise en place aux États-Unis en 1996. Ainsi, de manière générale, tous les véhicules essence sont compatibles à partir de 2001 et tous les véhicules diesel à partir de 2004. Cependant, certains constructeurs avaient déjà adopté la norme avant les dates officielles de mise en place, et d'autres ne l'ont implémentée qu'après. Nous avons donc, grâce aux données transmises par nos utilisateurs, créé une base de données recensant les véhicules posant question en termes de compatibilité. Ici, nous allons prendre l'exemple d'une Renault Clio 2 diesel 1,5 DCI de 2002. Il vous suffit de commencer à rentrer la marque de votre voiture et de cliquer dessus. Puis, avec le menu déroulant, de sélectionner le modèle correspondant à votre recherche. Si votre véhicule ne fait pas partie de cette liste, c'est qu'il n'est probablement pas compatible. Sinon, il ne vous reste plus qu'à acquérir une valise compatible, comme nos boîtiers Clavcar qui incluent tout notre logiciel EOBD facile. Si vous ne savez pas où se trouve votre prise OBD, utilisez notre application pour la localiser rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à réagir dans les commentaires. Nous, on vous dit à très bientôt.